nous visons en fait une triangulaire assez équilibrée où les Porto-Vecchiais pourront choisir en fait leur maire et leur équipe. C'est quand même une façon de sortir du duel habituel. Bien, c'est-à-dire que dans le duel, si les gens veulent le duel habituel, ils l'auront. Il suffit de ne pas voter pour Portivet tout d'abord. Et donc ils vont retrouver le duel habituel depuis 3 mandatures. Et donc si c'est ce combat-là qu'ils veulent, ils l'auront. Voilà. S'ils veulent un changement, l'alternative véritable, c'est Portivet tout d'abord. Et à ce moment-là, c'est au premier tour que ça se joue. Et il faut que ça se joue fortement pour que nous puissions être en course pour le second tour, en force, et pour pouvoir créer la mobilisation nécessaire pour gagner.